Salut à toi pour cette nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais te donner 5 gestes que tu peux faire pour garder la possession du ballon. Donc quand tu as un défenseur qui vient sur toi de n'importe quel côté, j'ai 5 gestes qui seront super efficaces pour toi pour que tu gardes le ballon. Donc le premier geste dont on va parler aujourd'hui, c'est la Cruyff. Donc la Cruyff, comme tu peux savoir, c'est un geste qui te permet de partir de l'autre côté. Donc si tu fais face à ce côté-là, la Cruyff, boum, une Cruyff, ça va te permettre d'aller de l'autre côté. Et en vrai, ça c'est un geste super efficace et comme tu peux le savoir, il y a plein de joueurs professionnels qui utilisent ce geste-là à chaque match pour se sortir de situations délicates. Et la Cruyff, en fait, elle se sert vraiment quand tu as un défenseur qui vient sur toi de derrière toi, en fait. De derrière toi, mais pas seulement vraiment totalement derrière toi, pas quand il fait vraiment dos à toi, mais qu'il est légèrement sur un côté. Si par exemple tu es droitier et qu'il vient de ton côté gauche, la Cruyff, elle sera parfaite. Parce que s'il vient rapidement de ce côté-là, comme ça, vers toi, eh ben, la Cruyff, si tu l'as fait, boum, en même temps de te retourner, ça te permettra aussi d'éviter qu'il te prenne le ballon. Parce que s'il est de ce côté-là, ce sera beaucoup plus dur pour lui de toucher le ballon et de le reprendre. Donc, la Cruyff, vraiment, c'est dans cette situation-là qu'elle est efficace. Mais comme tu peux le savoir, quand tu la maîtrises parfaitement, et par exemple, un joueur comme Iniesta qui maîtrisait parfaitement le geste, il pouvait la faire même si le défenseur venait sur sa droite. Et le fait qu'il la maîtrisait parfaitement, eh ben, ça lui permettrait de se tirer de n'importe quelle situation. Il a même fait, je l'ai montré dans une vidéo aussi, il a même fait quand il y avait deux joueurs qui viennent de dos à lui, de derrière lui, et il a fait boum, il a éliminé les deux joueurs. Et d'ailleurs, je peux aussi parler de plusieurs différentes manières de faire la Cruyff. La Cruyff, tu peux la faire en poussant le ballon. Donc, tu peux faire la Cruyff comme ça en faisant une feinte et tu pousses le ballon vers l'arrière. Mais si tu remarques bien, par exemple, André Iniesta, quand il l'a faite, il a couru et il est parti la chercher. Ça veut dire que ça, c'est différent aussi, tu vois. C'est pas il a fait comme ça, genre il est en train de conduire son ballon et il est parti la chercher pour s'arrêter et repartir de l'autre sens. Donc il y a celle-là, il y a la pousser, comme je t'ai dit comme ça, il y a la reprendre, elle est un peu loin de ton corps, tu la reprends comme ça pour t'arrêter et repartir dans l'autre sens. Il y a des joueurs, ils l'utilisent aussi pour faire une feinte de frappe, une feinte de centre, donc ils accentuent le geste de la frappe pour faire une feinte en même temps. Donc ça, c'est la feinte originale à Cruyff. Quand Johan Cruyff, il l'a faite à la Coupe du Monde 74, si je me trompe pas, il l'avait fait en feinte de centre. Donc il y avait un joueur sur lui. Encore une fois, le joueur, il vient de derrière lui un peu plus aussi sur sa gauche. Donc comme il est droitier, c'est parfait. Et donc, il a fait comme s'il allait centrer. Poum! Et donc, il a éliminé. Un joueur comme Neymar, par exemple, lui, il aime bien faire une feinte de corps avant de faire la Cruyff. Donc, il y a plusieurs différentes manières de faire la Cruyff. Par exemple, Neymar, lui, il te met son corps. En fait, il fait vraiment une feinte de corps. Tac, tac. Et après, il repart, tu vois. Donc, il y a plusieurs différentes manières de faire la Cruyff. À toi de voir la manière que tu kiffes le plus pour la faire. Et à toi de voir si tu vois, ça te plaît ou quoi que ce soit, tu vois. Mais ouais, la Cruyff, elle sert à ça. La Cruyff, quand tu es pressé par un joueur qui vient dans ton dos, mais sur un côté, parce que s'il vient directement dans ton dos et que tu fais la Cruyff, boum, il va te prendre le ballon. Donc, tu dois observer avec ta vision périphérique, savoir où il est à peu près. Et s'il vient sur ta gauche et que tu es droitier, c'est parfait. S'il vient sur ta droite et t'es gaucher, c'est parfait. Mais même s'il vient sur ta droite et que t'es droitier, tu peux la faire, mais vraiment, faut savoir la maîtriser. Le deuxième geste qu'on va parler aujourd'hui, c'est le râteau et touche intérieure.
Ce geste-là, il est pour les milieux de terrain. Et je sais pas si toi, tu m'as demandé une vidéo pour les milieux de terrain. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé une vidéo pour les milieux de terrain. Et ça, c'est un geste parfait pour les milieux de terrain. Un mec comme Modric, Busquets, ils l'ont fait au milieu de terrain. Pourquoi? Parce que ça, c'est un geste que tu as besoin déjà de 1, que le défenseur vienne vers toi. Donc, le défenseur vient vers toi. Tu fais comme si tu fais la passe. Tac, tac. Et tu pars de l'autre côté. Et Busquets, il l'a fait des nombreuses fois. Il l'a fait encore et encore et encore. Et c'est super efficace parce que de 1, le défenseur, il va se déplacer d'un côté. Et vu qu'il se déplace d'un côté, il ne peut pas être à la fois de deux côtés en même temps. Donc en général, Busquets, quand il le fait encore une fois, il fait une feinte de passe, tac, tac, râteau et il est parti. Donc ouais, ça c'est un super geste encore pour te sortir de situation où le défenseur, il vient sur toi, il se jette sur toi de face en fait. Ok, donc le troisième geste dont je vais te parler, c'est le râteau derrière jambe d'appui et touche intérieure. Donc, c'est le geste comme ça, tac, tac. Et en fait, ça, ce geste-là, il te sert dans la même situation que le geste que je viens de te parler précédemment, la touche, le râteau et touche intérieure. Donc, qu'est-ce que tu veux faire idéalement? Tu veux feinter la passe, tac, et en même temps partir de l'autre côté. Ça, c'est idéal. Tu peux faire ça quand justement un défenseur, il est en train de se jeter vers toi. Il vient vers toi comme ça et tu fais comme si, oh, je vais faire la passe là-bas. Et en fait, non, boum, boum, tu pars de l'autre côté. Tu peux aussi le faire dans une situation où le défenseur, il vient ici, sur ton côté gauche par exemple. Et tu fais comme si tu vas faire une passe et en fait, boum, tu passes comme ça, de l'autre côté. Et donc voilà, tu peux être créatif et le faire d'une manière ou d'une autre. Mais ce geste-là, c'est aussi un geste qui peut te servir à garder le ballon lorsque tu es pressé et qui est super efficace et simple en plus. Donc il est simple, c'est un râteau, poum, touche intérieure. Donc voilà. Le quatrième geste dont je vais parler, c'est un autre geste que j'ai fait dans les gestes basiques du football et c'est double contact. Double contact, archi simple, archi efficace à faire. Encore une fois, c'est un geste que les joueurs professionnels ils font presque à chaque match. Parce que c'est tellement simple et c'est tellement efficace. Donc le double contact, il sera seulement efficace quand un joueur se jette sur toi. Si il reste immobile et il reste en attente comme ça, ou il attend, ou il n'est pas en train de se jeter, si tu fais un double contact, boum, tu vas aller sur lui, ou bien il va t'arracher le ballon, ou bien tu pourras pas passer. Donc faut être sûr et certain que le mec il se jette sur toi pour faire le double contact. Mais le double contact, donc il peut te servir dans n'importe quelle situation où le défenseur il se jette à ce rayon-là. Donc par exemple, s'il vient comme ça sur toi, le double contact, tu peux faire pied gauche, pied droit et tu pars. Le double contact, il est vraiment super efficace dans chaque situation. S'il vient comme ça sur toi, tu peux le faire du pied droit. Il y a des mecs qui sont vraiment super forts et super bons en dribble. Quand le mec il vient comme ça, ils vont le faire de ce côté-là pour passer sur la ligne de touche. Le double contact, il se sert dans n'importe quelle situation. Donc c'est un autre geste que vraiment... pour garder le ballon, il est super efficace. Et encore une fois, si tu ne sais pas le faire, tu peux regarder la vidéo des 5 gestes basiques du football et j'explique comment le faire. Mais en gros, le double contact, tu veux utiliser l'intérieur, les deux parties intérieures de tes pieds. Et donc, en général, tu veux le pousser et le reprendre, tu vois. Il y a des gens qui le tapent. Il y a des gens qui tapent bam bam comme ça et ils partent, tu vois. Mais ce que, par exemple, Iniesta qui était l'un des mecs qui le maîtrisait le mieux récemment et aussi souvent, lui, il pousse le ballon, il ramène le ballon, voilà. C'est vraiment le mot à utiliser. Il pousse pas le ballon, il le ramène. Vraiment, c'est comme s'il ramène le ballon et pam, il le fait, tu vois. C'est vraiment, tu vois, comme ça, tu vois. Il le ramène. Si tu veux le taper, en fait, ça dépend de toi, tu vois. Quand tu entraînes le geste, si tu te sens plus à l'aise à taper le ballon, pam pam comme ça, tu vois, fais-le, tu vois. Mais moi personnellement, je ramène le ballon comme une banane en fait, tu vois. Je sais pas si tu connais la banane comme ça là. Je fais à peu près la même chose, mais sauf que je le fais sur le côté et après j'accélère, tu vois. Le dernier geste dont on va parler aujourd'hui, c'est un geste de Léo Messi qui est archi efficace.
Perso, moi, je l'ai fait plusieurs fois en match ou quoi que ce soit. Il est incroyablement efficace, ce geste-là. C'est une feinte de corps, dos au but, pour se retourner de l'autre côté. Donc, à comprendre que pour faire le geste parfaitement, il faut vraiment maîtriser la feinte de Léo Messi. Donc, la feinte de Léo Messi que tu fais avec, genre, ton pied fort d'abord. Donc, tu fais comme si tu pousses le ballon avec l'intérieur et ensuite avec ton pied d'appui. Donc, tu pousses avec l'intérieur, tu fais comme si tu pousses avec l'intérieur, pied d'appui, crochet extérieur, tu te retournes, tu accélères. Et ensuite, tu accélères avec la conduite de balle que je t'ai dit là, en accélération. Boum! Tu aussi loin de ton pied d'appui, tu pousses le ballon, boum boum boum, en étant dans ta jambe et tu vas aller archi vite. Et c'est ça qui fait comme ça qu'il fait Messi. Mais en gros, pour comprendre ce geste-là, qu'est-ce que tu devrais faire? C'est que dans quelle situation tu devrais être? C'est encore une fois comme la Cruyff à peu près. C'est quand le défenseur vient dans ton dos, mais sur un côté. Donc il vient sur le côté gauche, pas sur le côté droit, mais sur le côté gauche, parce que s'il vient du côté droit, tu essaies de te retourner avec l'essai à ton pied, il va prendre le ballon, il va t'arracher le ballon. Mais s'il vient de ton côté gauche derrière toi, il vient comme ça, c'est là que tu peux le faire. Et encore une fois, utilise ta vision périphérique ou bien un coup d'œil rapidement, tu vois arriver et tu l'as fait. Mais faut comprendre bien la situation. C'est pour ça que j'incite vraiment sur la situation, parce que c'est la situation qui permet que tu fasses ce geste-là. Et en fait, pour faire ce geste, et beaucoup d'autres gestes techniques d'ailleurs, tu emmènes le défenseur. Tu fais semblant comme si tu vas quelque part, mais en fait, tu vas pas là-bas. Tu veux l'emmener là-bas. Donc la plupart du temps, comment Léo Messi fait par exemple, quand le défenseur il vient rapidement sur son côté, il va mettre le ballon légèrement sur son... Lui, il est gaucher, donc il met largement le ballon sur son côté droit. Mais vu que moi je suis droitier, légèrement sur le côté gauche. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va inviter le défenseur à ne pas venir de ce côté-là, mais quand il vient de dos, à venir de ce côté-là. Tu vois? Parce qu'il pense, il peut prendre le ballon. Et un autre truc aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il ne reste pas immobile. En général, quand il le fait, il est en train de retourner dans son camp, vers l'arrière. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, le défenseur va se déplacer de cette manière-là. Okay? Donc, quand tu mets le ballon un peu plus comme ça, il va vouloir passer devant toi et prendre le ballon ici. Et quand toi, tu vas arriver à hauteur du ballon, boum, tu fais la feinte que j'ai dit et tu te retournes et t'accélères. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Encore une fois, comprends bien le but de la feinte. Le but de la feinte, en fait, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que tu veux inviter le défenseur à aller là-bas. Ok? Tu ne veux pas l'inviter à aller vers là, mais tu veux l'inviter à aller là-bas. Et toi, tu vas complètement à l'opposé, tu vas là. Ok? C'est-à-dire que quand tu conduis le ballon et que le ballon, tu le laisses comme ça, et que lui, il vient, tu veux l'inviter à aller comme ça, et toi, tu vas là. Et c'est archi efficace. C'est incroyablement efficace. Et si tu l'essayes, si tu le fais, tu vas voir que c'est super efficace, c'est simple et c'est efficace. Et Léo Messi, c'est pour ça qu'il le fait... qui le fait beaucoup, qui le fait super bien et tu devrais le faire aussi. Et il y a aussi plusieurs manières de le faire d'ailleurs. Il y a cette manière-là. Donc des fois aussi, tu verras dans certains exemples de Léo Messi, il touche. Il y a, par exemple, j'ai vu un exemple où il touche même pas le ballon il vient d'une certaine manière, et il touche même pas le ballon, mais il fait la même chose, il fait le même geste pour en fait inviter le défenseur à aller d'un côté et lui partir de l'autre. Brilliant by me. J'ai vu aussi certaines manières dont il le fait. Il ne fait pas seulement, par exemple, avec une feinte comme ça, tac, et il se retourne et il accélère. Des fois, il le fait avec une feinte de passe. Donc, il est en train de revenir en arrière, il est en train de revenir en arrière. Et il va faire comme s'il passe la balle, tac, il la passe pas et il se retourne et il accélère. Et donc voilà, ce geste-là, il est super efficace. C'est le dernier geste dont je vous parle aujourd'hui pour garder le ballon. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu l'as kiffé, tu peux aller voir cette vidéo aussi qui est sur 5 gestes à faire quand t'es arrêté. Je te donne 5 gestes à faire quand t'es arrêté et ton défenseur aussi, pour justement l'éliminer et passer derrière lui.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie encore une fois de l'avoir regardé et je te dis à la prochaine.